C'est maintenant la période des questions, le chef de l'opposition. Merci. J'ai une question pour la Première ministre. Alors, nous sommes à un moment important en Ontario. Alors, je pense que l'Ontario devrait et pourrait faire bien mieux. Après 10 ans de taxes bien plus élevées, de tarifs d'électricité énormes, alors il faudrait avoir plus d'emplois. Il faudrait vraiment changer les choses. Et il faudrait également avoir des taxes moins élevées. J'ai vu presque donc tout votre budget, tout a été fait l'objet d'une fuite. On dirait que vous avez renoncé de prétendre que vous alliez équilibrer le budget, vous allez augmenter les impôts, les taxes, vous allez augmenter la dette et augmenter les taxes. Alors ça, c'est vraiment toute une chose. Alors, si vous avez des taxes plus élevées, également des facteurs d'électricité plus élevés, alors qu'est-ce qu'il y a de différent entre vous et M. McGuinty? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Arrêtez la pendule. Le ministre des Affaires rurales, s'il vous plaît. Des Affaires municipales. La Première ministre. Moi, je vais dire que demain, le ministre des Finances va présenter un budget qui va donner toutes sortes d'occasions pour maintenant et pour l'avenir pour les gens de l'Ontario. Nous essayons de créer des emplois, nous allons essayer de créer des partenariats et dans le chef de l'opposition, ce qu'il veut, c'est tuer les emplois. Il voudrait que les emplois donc sortent de la province. Nous voulons renforcer les retraites, nous assurer que les gens pourraient avoir une retraite confortable, mais le chef de l'opposition n'a absolument pas l'intention de faire quoi que ce soit. Nous essayons de construire l'infrastructure dans cette province, dans la grande région torontoise et le reste de la province. Question complémentaire. Bon, je comprends. Vous ne voulez pas prononcer le mot McGuinty. Il n'y a aucune différence entre votre approche et celle de M. McGuinty. Alors, après tout, donc, tous les premiers ministres veulent assurer un avenir pour les députés au lieu d'un avenir pour les gens. Il faudrait absolument concentrer tous vos efforts sur la création d'emplois. Il faudrait que la province reprenne du poil de la bête. Alors, je sais que vous suivez donc le travail de M. McGuinty. Vous étiez à la table du Conseil des ministres. Vous devriez être fiers de ça. Mais je ne vois pas pourquoi vous refusez de le dire. Mais il ne faudrait pas donc qu'on ait un premier ministre, une première ministre qui va s'occuper de ses députés ou d'avoir un chef de NPD qui est juste de rallonger la chose. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui commence à prendre les choses en main. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La première ministre. Tous les premiers ministres, tous les chefs, évidemment, essayeraient de mettre l'accent sur les bons emplois. Alors, par exemple, des emplois comme ceux d'Open Text. Et que tous les chefs de parti voudraient s'assurer que les enfants aient l'éducation dont ils ont besoin et également les éducations postsecondaires soient au niveau. Nous avons mis l'accent sur les investissements que la province vous devrez avoir. Et si le chef de l'opposition suggère qu'il n'y a pas besoin d'investissement dans l'infrastructure, l'éducation, les compétences, s'il pense que les partenariats avec l'industrie pour s'assurer que les emplois soient créés, et il pense que ce n'est pas ce qui est nécessaire, je pense qu'il a complètement tort. Asseyez-vous, s'il vous plaît.
À l'ordre. Député de Renfrew, Nipissing-Pembroke. Dernière question complémentaire. Moi, j'ai parlé à des travailleurs, des créateurs d'emplois. Ce qu'ils me disent, c'est qu'il faudrait avoir une même situation pour tout le monde. Et ils seraient d'accord avec nos plans pour essayer de mettre l'accent sur les emplois dans le secteur privé, sur la réduction des factures d'électricité. Mais certainement, les gens qui sont des travailleurs voudraient qu'il y ait un Ontario ouvert, que les emplois reviennent dans la province. Et certainement, il faut voir que des occasions vont revenir, que les emplois vont être créés. Moi, je vais vous demander une seule chose. Arrêtez les augmentations des factures d'électricité. Arrêtez tout ce gaspillage. On n'a pas besoin de quelqu'un qui soit le jumeau ou la jumelle de McGuinty. La première ministre. Moi, je ne crois pas que d'essayer de se battre contre les syndicats, de se mettre contre la maternelle à plein temps, de se mettre à dos les enseignants dans les écoles primaires, et qu'on soit contre le partenariat avec l'industrie, soit une mauvaise chose. Tous les premiers ministres, tous les gouvernements, quel que soit leur parti, ont eu des partenariats avec les industries. Et pourtant, le chef de l'opposition dit que tout ce partenariat, ce n'est pas nécessaire. On pourrait juste donc voir les choses se dérouler sans direction. Je ne pense pas que c'est dans l'intérêt de la province. Vous, c'est ce que vous pensez. Alors voilà la différence entre le chef de l'opposition et moi. Moi, je crois que construire notre avenir, c'est ce qu'il faut. Ils pensent que détruire la province, c'est ça qui va nous aider. Merci. Nouvelle question. La députée de Nepean-Carlton. J'ai une question pour la première ministre. Pendant les deux dernières années, nous essayons d'avoir les véritables réponses en ce qui concerne l'annulation des centrales au gaz. Alors, on sait que la première ministre avait signé l'annulation. On sait qu'elle était la coprésidente de la campagne. Elle nous a dit que le coût, c'était jusqu'à 30 millions de dollars, et évidemment que ce coût avait été dépassé. Et évidemment qu'on n'a pas eu non plus tous les documents. La première ministre devrait essayer de nous dire la vérité, parce qu'on voudrait savoir ce qu'elle et l'équipe de transition connaissaient en ce qui concerne la suppression des documents. Elle essaye de nous poursuivre pour nous museler, mais ce n'est pas ce qui va se passer. Et là, il y a une lettre sur la préservation des documents. Alors, on se demande si la première ministre va être aussi transparente et nous donner ces documents immédiatement. Arrêtez la pendule. Je vais demander à la députée de retirer ses propos. Retirez-les. Je les retire. Je sais que le leader parlementaire voudra parler des détails de ce qui s'est passé en comité. Mais moi, je l'ai dit, du moment où je suis arrivée à cet emploi, c'était très clair qu'on allait ouvrir le processus, qu'on allait donner les renseignements qui nous étaient demandés. On allait donner des centaines de milliers de pages. Je suis arrivée et je me suis présentée deux fois devant le comité. On a changé les règles en ce qui concerne la rétention des comités. Alors moi, j'ai dit très clairement qu'il fallait que tout le monde comprenne ce qu'on doit préserver. Et ça, c'est parce qu'on a travaillé donc avec tous les gens dans les ministères. Alors certainement, on va continuer de coopérer dans les enquêtes, on va continuer de coopérer avec le comité et on va s'assurer que les documents demandés soient disponibles.
Alors elle a dit qu'elle voulait coopérer avec le comité. Elle pourrait dire à Tom Allison et à Monique Smith de venir se présenter. Alors on veut revenir à la poursuite et savoir où est-ce que l'argent est allé et pourquoi il y a eu des documents qui ont été effacés dans son bureau. Alors on lui a donné l'occasion, moi-même et le chef de l'opposition, nous avons demandé cela. On a demandé à son avocat toutes les exemplaires des correspondances entre Dalton McGuinty et les membres de son personnel concernant les réunions avec le premier ministre, le premier ministre désigné, et qu'on nommait les gens du personnel qui étaient dans le bureau du premier ministre. Alors, du 26 janvier au 10 février 2013, est-ce qu'on va avoir ces documents aujourd'hui pour qu'on puisse obtenir la vérité? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Première ministre, merci. Je ne suis pas qualifiée. Je suis d'accord avec le député d'Oxford, mais pas vraiment. J'ai pas vraiment la même opinion. Alors je vais répéter ce qu'il a dit. C'est suffisant. La première ministre, je ne suis pas qualifiée et le député d'en face n'est certainement pas qualifié pour avoir un processus d'enquête dans cette chambre. Moi, ce que je vais dire au député d'en face, et je vais répondre à cette partie de la question, elle a mentionné deux personnes qui ont dit qu'ils voudraient bien se présenter devant le comité. Et elle dit que les personnes ne voulaient pas se présenter. Et moi, je vais débattre de la vérité et des faits n'importe quand. Le député de Leeds-Granville est averti. Moi, je vais débattre toutes les allégations non fondées. Dernière question complémentaire. Asseyez-vous, s'il vous plaît. À l'ordre. Dernière question complémentaire. La première ministre a dit que les départs qualifiés, bon, c'est tout à fait ce que je pense. On sait que quand les documents étaient détruits dans le bureau du premier ministre, elle avait des réunions privées. Arrêtez la pendule. Le ministre des Affaires autochtones va retirer ses propos. Je m'excuse. Ne faites pas de commentaires. Inaudible. Bon, je voudrais terminer. Le ministre des Affaires autochtones va retirer ses propos. Je les retire. Terminer la question. Bon, là, je pense que là, c'était une corde sensible. Alors, on va parler du contexte. Le même jour, alors qu'on était en train d'effacer les documents sur les disques durs, la première ministre avait une réunion privée
pour dire à la vérificatrice générale d'avoir peut-être plus de domaines pour l'enquête. Et avec des discussions avec Peter Wallace en ce qui concerne les annulations des centrales au gaz, on sait que la police provinciale avait une enquête de plus en plus poussée parce que les libéraux non seulement refusent de nous parler devant le comité, mais refusent également de répondre aux questions de la police provinciale. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Première ministre, leader parlementaire du gouvernement, Monsieur le Président. C'est étonnant. La députée parle de témoignage de Peter Wallace. Je vais vous parler du témoignage de M. Wallace. En 2013, on n'a donné aucun conseil concernant aux gestions des dossiers politiques sur les disques durs des ordinateurs à la première ministre et à l'équipe de transition. On n'a pas couvert parce qu'on n'avait aucune visibilité. C'était la gestion et les pratiques de l'ancien premier ministre concernant sa gestion des dossiers, les disques durs et les dossiers politiques. C'est ce que le secrétaire du Conseil des ministres a parlé de son travail au moment de l'équipe de transition. C'est la vérité. La vérité, c'est que les députés de ce gouvernement ont apparu devant le comité, contrairement à ceux d'en face. Nouvelle question? Chef du troisième parti. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Hier, la première ministre a dit, dès qu'on a su qu'il y avait un problème avec les poutres à Windsor, on a arrêté la construction. Et je fais la citation. Trois mois avant, il y a eu un échange de courriels animé entre les représentants à l'ordre. Arrêtez la pendule. Le député de Renfrew-Nipissing-Pembroke, veuillez poursuivre. Avant, il y avait un échange de courriel animé entre les représentés concernant la sécurité des poutres. Le ministre des Transports, Naturally, a écrit à Infrastructure Ontario, « Je n'ai aucune confiance en vous ou en votre organisme et d'agir dans l'intérêt de la province. Il faut qu'on se rencontre avec des représentants officiels. » Est-ce que la première ministre a dit à la province que les officiels ont eu une discussion concernant les poutres et qu'ils n'ont soulevé aucune inquiétude concernant les poutres? Merci. Une fois de plus, je vais revoir la ligne de temps. Il faut voir les faits. Comme je l'ai expliqué aux néo-démocrates, l'enjeu soulevé lors de la réunion en question concernant conformité et non-sécurité. Le 14 juin 2014, le personnel a eu de l'information sur la sécurité et la durabilité des poutres de ce projet. Le 19 juin 2013, le ministre a reçu de l'information concernant la sécurité des poutres. Il a mis fin à l'installation des poutres. Le 22 juillet 2013, il a demandé à des experts indépendants pour se pencher sur la question et faire des recommandations. Le 13 novembre, et les parties concernées ont annoncé qu'ils refusaient les poutres et qu'ils allaient les remplacer sans frais pour les contribuables. On sait maintenant qu'à l'automne 2012, l'Institut des poutres préconformés, ils ont dit, et je cite, ce sont des poutres non conformés. Fournis par des personnes non accréditées qui pourraient avoir des déficiences, qui pourraient avoir un effet sur la sécurité et avoir un impact sur le secteur. Est-ce que la première ministre continue à dire qu'il n'y avait aucune question de sécurité qui a été soulevée? Monsieur le Président, j'ai vu la chronologie des faits. Lorsque le ministre a été informé ou a reçu de l'information sur le problème de sécurité, parce que nous nous sommes rencontrés, il a pris des mesures immédiates parce que je l'ai appuyé à cet égard. Je voulais m'assurer qu'il y avait un problème de sécurité, qu'on prenait des mesures et que ces poudres ont été retirées
et que la question avait été résolue. 100 frais pour les contribuables de l'Ontario parce que ça faisait partie du contrat. Oui, j'appuie le processus et je respecte la décision de mon ministre. Complémentaire final, la première ministre a dit hier que le personnel du ministre a reçu de l'information concernant la sécurité le 14 juin 2013 et que le ministre a reçu de l'information le 19 juin 2013. Mais les documents prouvent qu'une décision a été prise par quelqu'un du ministère le 14 février 2014 de ne pas intervenir dans la question des poutres. Est-ce que la première ministre, elle dit une chose et que les documents prouvent le contraire? Merci, Monsieur le Président. Vous savez quoi? La réalité est que il y a eu des réunions, évidemment. Il n'y avait pas suffisamment d'informations à ce temps-là pour avoir des recommandations finales en matière de sécurité. Il y avait des problèmes de conformité. J'ai revu la chronologie des faits. Et pour moi, c'était clair. Dès que le ministre a su qu'il y avait un problème de sécurité, les mesures ont été prises, les poutres ont été retirées. Ils ont été retirés aux frais de l'entreprise et non aux frais des contribuables de l'Ontario. C'est exactement ce qui aurait dû se passer. Si la chef du troisième parti suggère qu'on ferait passer la sécurité des gens avant tout, c'est pas le cas. On a agi immédiatement après que nous avons appris qu'il y avait un problème de sécurité. Nouvelle question. À la première ministre de ce côté de la Chambre, on a appris, nous, on se fie aux documents, non sur les paroles. Les documents prouvent qu'il y a eu des poutres non conformes, non sécuritaires. Ce n'était pas la seule question de sécurité concernant ce projet. Est-ce que la première ministre va nous dire quels étaient les autres problèmes structurels de ce projet Parkway? Monsieur le Président, je suis très heureuse que le contrat en place a été conçu de telle façon que cet enjeu puisse être réglé de cette façon. Et je suis très heureuse que la sécurité des Ontariens a été protégée parce que des mesures ont été prises immédiatement où ces poutres ont été retirées dès qu'on a su qu'il y avait un problème de sécurité. Et j'aurais pensé que la chef du troisième parti devrait être d'accord avec les mesures que nous avons prises, c'est-à-dire retirer les poutres avant que d'autres poutres soient installées. On a arrêté la construction pour que des essais puissent être faits. Après les essais, les poutres ont été retirées aux frais de l'entreprise. C'est exactement ce qui aurait dû se passer. Complémentaire. Le gouvernement et ses documents montrent que les hauts fonctionnaires et les ingénieurs étaient préoccupés par la teneur du ciment et les mesures de sécurité. Et ça couvre divers éléments de ce projet Parkway. Qu'est-ce que la première ministre veut faire s'assurer de la sécurité de ce projet Parkway et de la sécurité des personnes de chaque côté de la frontière qui vont utiliser cette autoroute? Ce que nous sommes disposés à faire. Je sais que le chef du troisième parti soulève des accusations non fondées. Ce que nous allons faire, nous allons continuer à travailler avec les ingénieurs pour s'assurer qu'à chaque étape du projet, nous allons prendre des mesures en conséquence, comme on l'a fait avec les poutres, comme on l'a fait, M. le Président, avec les poutres. S'il y a des problèmes de non-conformité qui se transforment en questions de sécurité, nous allons prendre les mesures nécessaires pour que la priorité soit la sécurité de la province et de la population, comme on l'a fait avec les poutres. Complémentaire final. Les hauts fonctionnaires ingénieurs ont dit qu'ils ont soulevé des problèmes de structure. Ce ne sont pas des accusations non fondées. Ce sont des ingénieurs seniors qui ont découvert ces problèmes concernant les roulements non conformes. Correspondance interne indique que cette situation n'est pas semblable aux poutres et que ces roulements sont installés et non pas retirés.
Et ça concerne la stabilité de ce projet. Comment est-ce qu'on peut faire confiance au gouvernement sur des projets d'infrastructure de milliards de dollars lorsque ce projet, un projet international et dont on parlait, dont vous vous êtes vanté, a autant de problèmes de sécurité? Merci, M. le Président. Comme je l'ai dit, il n'y a rien de plus important que la sécurité des Ontariens. Ainsi, on va continuer à travailler avec les experts, les ingénieurs, pour s'assurer que tous les éléments de ce projet Parkway sont sécuritaires et conformes. Nous avons les routes les plus sécuritaires en Amérique du Nord et on va s'assurer que la situation de sécurité continue. Et il y aura un budget déposé demain. Et, Monsieur le Président, j'ai essayé d'avoir une réunion avec la chef du troisième parti depuis février, d'avoir une conversation avec elle. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble et faire adopter le budget? Et j'ai l'espoir qu'elle ait pour qu'on puisse trouver une façon d'aller de l'avant. Mais je sais que l'opposition officielle n'est pas intéressée cependant parce que, Monsieur le Président, parce qu'il faut avoir... Il y a des conséquences de continuer à construire des infrastructures dans cette province. Arrêtez la pendule. Merci. Appel à l'ordre. Député de Lambton-Kent Essex, merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Samedi, dans le journal Free Press, vous avez dit que vous ne savez pas pourquoi la ministre de la Santé a utilisé un contrat pour permettre à deux groupes libéraux d'avoir 40 millions de dollars, malgré le fait qu'elle a signé le contrat. Première ministre, j'ai appris depuis que le gouvernement à régler des problèmes, à trouver des différentes fiducies avec différents ministères au cours des 10 dernières années. Combien de fiducies ont été créées, avec quelle organisation et combien d'argent des contribuables sont impliqués avec des groupes affiliés avec la coalition des familles honnêtes de l'Ontario? Premier ministre, je pense que le député d'en face parle du fonds de rétention des infirmières. Lorsqu'on est venu au pouvoir, les hôpitaux avaient des déficits et il y avait des congédiements d'infirmières qui en résultaient. Et c'était inacceptable, selon nous. On a pris des mesures pour inverser cette situation auprès des infirmières. Nous avons mis des contrôles en place concernant le financement de rétention. Nous avons travaillé avec le ministère de la Santé et que ce fonds soit utilisé à bon escient. Et je pense que ce que le député d'en face, c'est-à-dire il mine le travail des syndicats de la province. Nous, on a mis en place de l'appui pour retenir les infirmières dans la province. Ce qu'ils veulent faire, c'est miner cette relation que nous avons avec les infirmières. Député de Sarnia-Lambton, rappel à l'ordre, complémentaire. Monsieur le Président, de retour à la première ministre, on sait que c'est inhabituel d'utiliser un fiducie pour financer des programmes du gouvernement. Ce matin, j'ai rencontré le vérificatrice générale demandant que son bureau lance une audite sur tous les fiducies de ce gouvernement. L'un des documents que j'ai remis à la vérificatrice, c'est la confirmation d'un officiel du ministère des Finances. Au cours des 10 dernières années, ces fiducies ont été mises sur place dans 10 ministères, y compris le ministère de l'Éducation, de l'Agriculture et de l'Alimentation des Affaires autochtones. 3 ministères que vous connaissez très bien. Première ministre, voulez-vous confirmer ce matin que vous n'avez jamais créé de fiducie pendant que vous étiez membre du Conseil des ministres?
Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Gentil. Première ministre. L'objectif de ce fonds, c'était la question. L'objectif de ce fonds. Je vais prendre des mesures, le cas échéant. Première ministre, poursuivre. Le député de Nepean Carlton, pardon, la députée de Nepean Carlton est avertie. Et Eglinton Lawrence, première fois. Veuillez poursuivre. Merci. En janvier, le ministre a rencontré l'organisme des infirmières pour parler de la façon dont le fonds serait géré et qu'il soit utilisé de meilleure façon possible pour retenir les infirmières. Et la raison pour laquelle le député pose la question, c'est qu'il veut miner la réputation de ces groupes et la compétence de ces groupes. Donc, il a parlé d'un gâchis dont les deux organismes d'association, ce sont des mauvais gestionnaires qu'on ne peut pas leur faire confiance pour gérer ces fonds. Merci, arrêtez la pendule. Je demande aux députés de Lambton, Kent, Middlesex de retirer ses propos. Et aux députés de Bruce, Gray, Owen Sound de retirer. Député de Windsor, Tecumseh, merci. Ma question s'adresse à la Première ministre. Bonjour, Première ministre. Monsieur le Président, la Première ministre nous a promis que le gouvernement serait ouvert et transparent et que ses ministres allaient faire les correspondances utilisant les voies officielles, y compris les courriels officiels. Malgré sa prétention d'un gouvernement plus ouvert, le ministre des Transports et de l'Infrastructure correspond sur des questions confidentielles avec des hauts fonctionnaires du transport et de l'infrastructure et du personnel d'Infrastructure Ontario, ainsi que le service du contentieux, pourquoi il n'y a aucun courriel du message concernant les poutres de l'année dernière. Merci, M. le Président. Une fois de plus. Moi et les ministres ont répondu aux questions concernant la chronologie des événements. On a répondu à cette question à plusieurs reprises. Je vais continuer à répondre aux questions. L'objectif important, c'est la sécurité des Ontariens. Et l'objectif premier, c'est ce qui a motivé c'est ce qui a motivé les décisions que nous avons prises. Après l'essai des poutres, ils ont été retirés sans frais pour les Ontariens. Voici comment le système doit fonctionner. Et je dois dire que le député sait très bien parce qu'il était, il a fait partie du processus. Il a fait partie des discussions sur les poutres. Il savait depuis tout la façon dont les questions de sécurité ont été abordées et traitées complémentaires. Première ministre. J'ai vu la preuve, j'ai vu les documents, je sais ce qu'il y a dans les documents. Essayez pas de me dire le contraire. Selon les gouvernements, il y a seulement 4 messages de courriel concernant les poutres entre juin et juillet. Le second courriel, c'est la seule correspondance que le ministre a dit que nous avons reçue dans les documents, dans la demande d'information. Est-ce que la première ministre dit aux gens de l'Ontario qu'elle croit que le ministre a échangé seulement 4 courriels concernant le projet Parkway avec le problème de poutre, ou bien est-ce qu'il essaie de cacher de l'information publique? Monsieur le Président,
Le député lit le courriel parce qu'il l'a reçu à travers une demande d'accès à l'information et il a reçu donc ces documents grâce à cette demande. Ce que je vous dis, c'est que le ministre du Transport et de l'Infrastructure avait des rencontres régulièrement avec l'équipe. Il était au-dessus de l'affaire et il s'assurait de comprendre quelles étaient les inquiétudes et qu'il prenait les mesures appropriées. C'est ce qu'il fait et c'est la raison pour laquelle les poutres ont été retirées, c'est la raison pour laquelle les mesures de sécurité ont été augmentées et c'est pourquoi la population de l'Ontario est en sécurité en raison des actions de du ministre et de ses actions. Nouvelle question, la députée de Mississauga-Est-Cooksville. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement du Nord et des Mines. Monsieur le Président, comme nous le savons, le cercle de feu est une bonne occasion de proportion historique en Ontario. Et le cercle de feu n'aidera pas seulement l'Ontario, mais le Canada tout entier. C'est pourquoi c'est honteux que le gouvernement, que les conservateurs au fédéral manquent de leadership sur cette question. Monsieur le ministre, je comprends que lundi passé, intervention du président. Laissez aller la pendule. Député de Timmins-Labbé-James, vous allez revenir à l'ordre. Continuez. Je sais que le ministre et d'autres collègues lundi ont fait une annonce concernant le cercle de feu et je voudrais qu'ils nous en disent plus à cet effet. Le ministre du Développement du Nord et des Mines. Je remercie la députée de Mississauga-Est-Cooksville pour sa question. Et en effet, lundi passé, j'étais très heureux d'annoncer avec le ministre des Affaires rurales et le ministre des Richesses naturelles que nous allions nous engager à investir $1 milliard dans le cercle de feu. Nous faisons un progrès immense sur cette question, sur ce projet. Et ça aidera non seulement le Nord, mais ça aidera la province au complet et en effet le pays. La première ministre Will et moi-même avons signé un accord avec les communautés autochtones et nous avons aussi mis de l'avant différentes occasions qui amèneront différents bénéfices et avantages aux communautés qui entourent le cercle de feu. Intervention du président, arrêtez la pendule. Réponse. Je vous remercie, monsieur le ministre. Ce serait bien que l'opposition écoute à vos commentaires. Ce projet signifie une création d'emplois dans ma circonscription de Mississauga-Est-Cooksville. Et donc, monsieur le ministre, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous amenez ce projet de l'avant? Le ministre, merci. Je remercie la députée de Mississauga-Est-Cooksville. Nous étions prêts à investir de façon significative dans le cercle de feu. Et maintenant que nous avons annoncé notre engagement financier, nous allons fournir plus d'explications et plus de rapports sur le progrès de ce projet. Nous voulons maximiser le potentiel du cercle de feu, non seulement pour la province, mais pour le pays au complet. Nous avons besoin du gouvernement fédéral. Ils ont dit plusieurs fois que c'est un projet qui est essentiel au niveau national. Ils seront donc un partenaire dans ce projet. Ça nous permettra d'avoir une meilleure valeur sur notre rendement. Il y a la partie industrielle de ce projet qui est importante et le projet aussi, l'ampleur en infrastructure. Si le gouvernement fédéral est impliqué dans ce projet, ce sera un projet encore meilleur. Le député d'Oxford, nouvelle question. Ma question s'adresse à la ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Il est clair que votre gouvernement doit mentionner la disponibilité de certains fonds et bourses. Cependant, vous donnez ces bourses et ces fonds à des entreprises qui sont sélectionnées par vous. Il n'y a eu aucune concours, il n'y a eu aucun concours ouvert.
On a même vu que certains fonds ont été remis à des gens qui avaient des liens avec certains membres de votre personnel. Étiez-vous courant? Réponse de la première ministre. Je m'attends à ce que l'ancien ministre de l'Agriculture et le député de l'autre côté comprennent ce qui se passe avec les entreprises dans l'agroalimentaire et la transformation des aliments. Et vous savez, les investissements qui ont été faits sont en lien avec la loi sur l'alimentation, les aliments locaux. Et il y a des fonds, environ 60 millions de dollars en fonds, 60 bourses qui ont été remis et ça aide les entreprises à faire croître leurs exploitations. Ce sont des fonds qui sont disponibles à travers la province, qui sont remis à différentes sortes d'entreprises, que ce soit des pâtisseries, des agriculteurs locaux, des gens qui ont une stratégie en alimentation. Ça permet simplement aux producteurs et aux transformateurs d'aliments de continuer leur exploitation. Complémentaire. Vous avez manqué la question d'origine. Vous n'avez pas répondu. Ces fonds ont inclus 1 million de dollars donnés aux distilleries, bien qu'il n'ait pas créé un seul nouvel emploi. Près de 6 millions ont été remis à deux compagnies qui ont presque fini de faire la construction de leur entreprise par eux-mêmes. Certains compétiteurs n'avaient aucune idée que ces fonds existaient. Ce sont des fonds qui ont été révisés par un groupe d'experts qui est composé de membres qui n'ont été approuvés que par vous. Vous choisissez vous-même et est-ce que lorsque vous avez choisi les gens qui recevraient ces fonds, est-ce que vous avez pensé que c'était peut-être mal de faire une telle chose? La première ministre. Le député de l'autre côté, pardon, intervention du président, la première ministre. Merci, Monsieur le Président. Le député de l'autre côté a fait quelques allégations. S'il parle de la distillerie Clarence, c'est un fonds qui a été remis à travers le fonds de l'alimentation locale. S'il parle d'Iro Walkman Sons, 1 million de dollars a créé 10 nouveaux emplois et cette entreprise appuie le secteur agroalimentaire de l'Ontario. Eh bien, vous savez quoi? Les gens qui travaillent dans cette entreprise croient que c'est bien. Et les gens qui travaillent à Saint-Albert, ils croient que c'est quelque chose de bien aussi. Ils seront en mesure de créer 10 nouveaux emplois. En ce qui concerne Thomas Canning, il y a un investissement de 3 millions de dollars créant 40 nouveaux emplois. Les gens qui obtiennent ces emplois sont très heureux d'avoir un gouvernement qui travaille avec eux et qui a une conversation courante avec l'industrie afin d'aider cette industrie à croître. Nouvelle question, député de Niagara Falls. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Madame la Première ministre, vous voulez établir des casinos dans des communautés qui n'en veulent pas et vous n'aidez pas les familles qui ont besoin de l'industrie de course hippique. Le gouvernement libéral veut un plan de privatisation et ne consulte pas les communautés. On parle aussi des profits de l'OLG qui ont diminué cette année. Est-ce que vous continuez à aller de l'avant avec la privatisation de la Société des jeux et loteries de l'Ontario et d'ignorer les municipalités qui ne veulent rien avoir à faire avec un casino? La Première ministre, merci. Lorsque j'ai pris ce poste, j'étais très claire concernant le destin, mes inquiétudes concernant le destin de l'industrie hippique en Ontario. Nous avons signé un accord de 3 ans avec l'hippodrome de Fort-Érier. Et donc, nous avons été clairs que l'investissement de 5 millions de dollars au cours des 5 prochaines années aiderait l'industrie hippique
vraiment sur la voie de la durabilité. C'est ce que nous allons continuer de faire. Et je sais que le député de l'autre côté comprend que les décisions qui ont été prises en ce qui concerne Forêt-Liée étaient la bonne décision. C'est la communauté voulait s'assurer que ces accords étaient mis en place. Et je suis très heureuse que l'industrie des courses hippiques ait une saison cette année et à l'avenir. Complémentaire. Monsieur le Président, le cheval est sorti de l'étable une fois lorsqu'on regarde le plan des libéraux. Même la vérificatrice générale dit que le plan de modernisation a pratiquement tué l'industrie de course hippique. Est-ce que la Première ministre va présenter ses excuses aux gens qui font partie de cette industrie à Forêt-Liée et assurer que nous puissions continuer avec l'histoire de cet hippodrome? Réponse de la Première ministre. Nous travaillons sur ce projet depuis que j'ai pris mon poste et j'ai dit dès le début que nous devions réévaluer ce qui se produisait avec cette industrie. Mon prédécesseur a établi un groupe d'experts de Buchanan, de Johnson, qui ont présenté des recommandations. C'est pourquoi on a investi 5 millions de dollars. Je veux que l'industrie des courses hippiques aille de l'avant, qu'ils aient un avenir, Monsieur le Président, et je sais que c'est un processus difficile, mais je veux que les députés de l'autre côté de la Chambre sachent que j'y travaille et je m'assure que nous ayons de bons investissements parce que c'est ce qui assurera le succès à long terme de l'industrie des courses hippiques. Le jeu et ses courses peuvent être intégrés et vous savez que c'est bien. Député d'Ottawa Sud, merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Nous savons que le système de financement public en Ontario est l'un des meilleurs au monde. Nous avons fait des progrès grâce à la vision de notre gouvernement qui travaille avec le secteur afin de créer un système de classe mondiale. Nous voulons atteindre un consentement afin d'aller de l'avant et le résultat de certaines consultations qui ont été publiées dans un document est essentiel. Et est-ce que la ministre peut nous informer de cette nouvelle vision? La ministre de l'Éducation. Oui, merci, Monsieur le Président. Je remercie le député d'Ottawa Sud pour sa question. Nous avons en effet de belles réussites en éducation. Lors des 10 dernières années, nous avons augmenté le taux de diplômés de 68%. 71% de nos jeunes de la 3e à la 8e année atteignent les normes provinciales. Nous avons, malgré ce succès, la conviction qu'il faut faire encore mieux. Et c'est pourquoi nous avons dévoilé une nouvelle vision pour le système d'éducation en Ontario. C'est donc une nouvelle vision pour l'éducation. Le document mentionne nos nouveaux objectifs en matière d'éducation. Nous voulons nous assurer du bien-être des élèves et qu'ils aient confiance en eux. C'est une nouvelle vision qui sera mise en place à travers la province. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci à la ministre pour avoir établi notre nouvelle vision. Il est important de s'assurer que notre système passe d'un système qui est bien à un système qui est excellent. Nous voulons aussi avoir beaucoup d'engagement communautaire et nous voulons nous assurer que les 10 prochaines années soit encore meilleur et que nous construisions un avenir excellent pour nos enfants. La technologie a un impact sur la façon dont les élèves apprennent et la façon dont les enseignants enseignent. Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut nous mettre à jour sur les actions du gouvernement afin d'appuyer cette nouvelle vision et de créer un système encore meilleur? La ministre, merci. Ce qui est ressorti de nos consultations lorsqu'on a parlé des organismes à but non lucratif, des entreprises ainsi que du système de l'éducation, c'est que l'impact de la technologie est essentiel dans nos salles de classe, en particulier lorsqu'on parle des élèves les plus jeunes. Donc, lorsqu'on regarde notre vision, Monsieur le Président,
Nous savons qu'il faut évaluer la technologie et je suis heureuse d'annoncer notre appui pour la nouvelle vision en investissant 150 millions de dollars sur 3 ans afin de donner aux gens qui apprennent et aux gens qui enseignent une meilleure technologie pour les aider. Ça fait partie de nos accomplissements à travers des pratiques d'enseignement novatrices. Ça nous permettra d'avoir de meilleures technologies, et ce, à travers la province. Nouvelle question, la députée de Huron-Rose. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Monsieur le ministre, le Conseil national de l'énergie, ontarien de l'énergie augmentera les frais, les factures d'électricité au cours des 12 prochaines années. Ils reçoivent 31 % des subventions qui sont payées par les consommateurs d'énergie à travers le réajustement global. Et donc, Monsieur le ministre, la population voit ses clubs de curling, ses hôpitaux fermés, et ils ne peuvent se permettre cette eau d'énergie augmentée simplement parce que vous refusez de reconnaître que vous avez mal géré le système d'électricité. Pourquoi est-ce que vous ne faites rien afin de vous assurer que les Ontariens soient en mesure de payer leur facture d'électricité et que ne vous empêchez pas les prochaines augmentations pour les taux d'électricité? Le ministre de l'Énergie. J'ai quelques chiffres ici sur l'électricité en Ontario, comme je l'ai mentionné auparavant, Monsieur le Président. Hydro-Québec fait un sondage des villes en Amérique du Nord, mais à la fin de 2013, c'est la dernière année qu'ils ont fait la compilation, je vais vous donner les taux. Par kilowatt-heure, nous avons à Toronto 12,4 cents, à Ottawa 12,39, nous avons à Halifax 13,45. Et souvent, ils parlent aussi des villes américaines, disant qu'ils ont de meilleurs taux. À Détroit, nous avons 15,45. New York, 21,75. Vous savez quoi, Monsieur le Président? Donc, tout est compétitif. Monsieur le Président, vous savez quoi? Les libéraux continuent de nous sortir ces chiffres, mais encore au haut ministre, écoutez-moi. Le 27 avril, un petit avion s'est écrasé près du centre d'énergie éolienne qui a tué 4 passagers. Et c'est parce qu'ils se sont écrasés au Dakota du Sud, disant que l'une des éoliennes a été endommagée. Nous voulons construire un parc d'éoliennes près d'un aéroport, mais nous demandons de ne pas le faire. C'est important, entre autres, étant donné les éoliennes industrielles, parce que ça met en jeu la vie des pilotes. Monsieur le ministre, quand est-ce que vous allez admettre que le choix d'emplacement de ce parc éolien n'a pas bien été fait? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Intervention du président. Le ministre, Monsieur le Président, l'eau a un processus. Lorsqu'ils remettent les contrats, il y a tout un processus qui inclut un processus d'évaluation environnementale. Et le ministère de l'Environnement révise ce projet. Ensuite, il y a un processus d'appel et après, il y a une revue judiciaire. Il y a beaucoup de développements qui sont mis en place à travers la province pour des développements immobiliers. Et ils peuvent s'en remettre en appeler de la décision au conseil municipal. Et vous savez quoi? Les conservateurs veulent annuler des contrats et qui risquent de nous coûter très cher.
Le député de Chatham-Kent, Texas. Alors, s'il vous plaît. Nouvelle question, la députée de London West. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. À chaque fois que ce gouvernement libéral ne livre pas la marchandise aux Ontariens, on fait des promesses vides de sens et des annonces. Aujourd'hui, à London, ils le font encore une fois sur le transport en commun. La Première ministre a promis aux gens de London d'avoir un train à haute vitesse, mais on ne le croit pas. Le ministre des Transports a dit qu'on va avoir des trains grande vitesse qui vont conduire à 320 km de l'heure, mais la ministre de l'Éducation sait que ça ne sera pas des trains de haute vitesse, grande vitesse, des TGV, et ce n'est pas de ce dont parle son collègue. À qui est-ce qu'on doit croire dans le Conseil des ministres, Madame la Première ministre? Réponse la Première ministre. Voici la chose. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut avoir des meilleurs transports en commun dans cette province. On le sait tous. Dans toute partie de la province, y inclut le couloir de Toronto à London. Donc l'annonce que le ministre fait aujourd'hui, c'est une annonce très importante. Je le sais que le lien entre Toronto et Kitchener-Waterloo, le centre de haute technologie où OpenTech arrive avec tous ses emplois, et de Kitchener-Waterloo à London, on sait que c'est très, très important, un couloir très important pour cela. Et donc, on fait des investissements. On travaille avec le secteur privé. On va travailler avec les collectivités, les citoyens, pour assurer que ces liens sont en place. Ce que j'aimerais, Monsieur le Président, de pouvoir avoir une conversation avec la chef du troisième parti sur quelle partie du budget des investissements en transport en commun et dans l'infrastructure elle est prête à appuyer. Je n'ai pas pu avoir cette conversation, mais j'ai hâte de lui parler. Merci. Question complémentaire, la députée de London Fernshaw. Monsieur le Président, même si les gens de London veulent croire qu'ils vont avoir un train grande vitesse, ils ne peuvent pas faire confiance à ce gouvernement libéral. Comme tout Ontarien, ils savent que des promesses vides de sens ne créent pas d'emploi ou ne soulagent pas des problèmes dans les routes, sur les routes plutôt. Et la Première ministre, si elle était sérieuse sur son dernier schéma, elle aurait un échéancier clair et des coûts clairs. Il est bien temps que le gouvernement arrête de jouer des jeux et dit aux gens quand est-ce qu'on va avoir et pourquoi la ministre n'admet pas qu'elle ne sait pas quel sera le coût de ce train grande vitesse à London. Réponse la Première ministre, c'est riche de voir cela soit dit par un parti qui n'a pas un plan pour les transports en commun. C'est vraiment ironique. Oui, d'accord, d'accord. Interruption du président. La Première ministre, ce que je suggère à la députée, c'est qu'elle étudie le projet qui s'en vient, si elle pense que nous sommes fiables quant à la livraison de la marchandise, si elle regarde la ligne de Eglinton qui traverse la ville et si elle regarde la machine qui fait le trou pour le métro, aussi le lien de train de Union à Pearson, aussi la ligne de l'Université York, et si elle va à Ottawa voir des projets, on donne des engagements, on livre la marchandise, eux, ils n'ont pas de plan, nous, on va avoir des trains qui fonctionnent. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nouvelle question. Le député de Scarborough Sud-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Mes concitoyens, y inclus moi, nous sommes très contents que le gouvernement s'engage à protéger les animaux de compagnie d'être abusés. Notre gouvernement a créé la loi la plus forte de défense des animaux dans tout le Canada, où on donne la capacité à l'agence
agents de la société de protection des animaux de faire des inspections, d'appliquer la loi. Et on peut avoir des amendes jusqu'à 50% et même une interdiction d'avoir des animaux à vie. Est-ce que le ministre peut nous dire de plus que ce que fait le gouvernement pour protéger les animaux de compagnie? Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Et moi, en tant que propriétaire d'un chien qui s'appelle Bala, je suis très content, et elle est contente qu'elle ait mentionné au journal des débats maintenant. Mais c'est une question importante et je veux remercier mon prédécesseur, le ministre du procureur général, du travail de fait. L'année dernière, on a annoncé 5,5 millions de dollars pour la Société de protection des animaux. Et ce financement va aider la SPCA à établir une ligne de réponse sans frais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où les gens peuvent faire part de cruauté envers des animaux. On a créé une équipe aussi de gens qui sont formés pour faire des enquêtes et donc on va arrêter les usines à chiots aussi bien que les usines à chatons et on va faire des inspections des eaux et autre chose. Merci. Question complémentaire? Merci de cette réponse, Monsieur le ministre. Ma famille a 3 chats qui ont été abandonnés avant. Michi, Jack et Buffy, qu'on les appelle. Nous aimons beaucoup les animaux et beaucoup d'autres gens aiment les animaux aussi. Mais parfois, il y a des gens qui abusent des animaux. Et donc, quand il y a un danger pour un animal, c'est important que quelqu'un appelle la Société de protection des animaux. Et je pense que c'est bien d'avoir cette ligne d'appel pour que les agents puissent répondre à des situations d'abus des animaux et de négligence dans un cadre, une échéance raisonnable. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce centre soit en fonctionnement bientôt? Réponse du ministre. C'est une question importante de protéger les animaux et d'empêcher la cruauté envers les animaux. C'est très important pour tous les Ontariens et je suis très fier du fait que la Société de protection des animaux de l'Ontario a fait l'annonce de ce centre d'appel. On devrait être très fier du fait que nous sommes le premier gouvernement qui donne les appuis nécessaires pour avoir une initiative telle importante. Maintenant, on a un appel sans frais de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les gens qu'on pense à faire de l'abus. Appelez 301-SPCA, 301-SPCA. Tous les jours de l'année. C'est un autre exemple, comment on répond à la responsabilité des enquêteurs de répondre aux plaintes. Merci. Nouvelle question, le député de Barrie. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre aujourd'hui. Et il y a une lacune dans le système de bien-être des enfants. Et il y a 1 600 enfants qui se trouvent sans accès. Et il y a des sans-abri, des enfants, des jeunes sans-abri qui ont des problèmes d'accès aux soins de santé, par exemple. C'est des enfants qui sont oubliés. Le projet de loi 88 propose de fermer ces lacunes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous ralentissez la lecture de ce projet de loi? La ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse. Merci, Monsieur le Président. Quant à l'enfance et à la jeunesse et au projet de loi 88, oui, on a eu le projet de loi 88 en comité permanent et on a eu des discussions. Et je veux dire clairement, on a eu cette discussion à plusieurs reprises quant à ce que ce gouvernement fait pour l'engagement à nos enfants
aux jeunes vulnérables, pour écouter nos jeunes et les recommandations des enfants qui sortent de la tutelle, pour qu'ils puissent avoir une bonne transition vers l'âge adulte et qu'ils puissent avoir la même occasion que les autres jeunes. Oui, nous sommes engagés à aider nos jeunes et il faut assurer que tous nos jeunes soient protégés à travers la province. Avec tout le respect, Madame la Première ministre, cette question s'adresse à vous. Vous avez le choix, le pouvoir de changer les choses. Maintenant, vous êtes responsable d'un seul endroit au monde qui néglige ces enfants qui sortent de la tutelle. Vous vous en fichez. Il y a des services trop élevés comme de prison, les hôpitaux, des services de réadaptation ou pire. Et ils ont beaucoup de chance s'ils reçoivent de l'aide sociale pour les adultes. Tout enfant sous l'âge de 18 ans doit avoir accès aux services. Faites ce qui s'impose tout de suite. Dites-nous quand ces jeunes deviendront une priorité pour vous. Pas pour la ministre, pas pour les leaders parlementaires, mais pour vous. Arrêtez la pendule. Vous pouvez vous asseoir. Réponse de la ministre. Merci, Monsieur le Président. Ayons cette discussion, interruption du Président, c'est pas trop tard pour que quelqu'un soit demandé de sortir. Veuillez terminer. Merci, Monsieur le Président. En termes du projet de loi, on sait comment cela fonctionne. Il faut que les leaders parlementaires discutent et décident de l'horaire du calendrier. Il y a eu des recommandations et tout le monde sait que ce qu'on a fait. On a augmenté les soutiens financiers pour les jeunes. Nous développons des occasions de mentorat et on veut qu'on aide les jeunes. On va continuer à le faire. On va continuer à faire ce qu'il faut faire pour protéger tous nos jeunes. Merci. La députée d'York Simcoe rappelle au règlement. Merci. Mon rappel au règlement du fait que j'ai une question adressée au ministre de l'Environnement dans les questions écrites. Est-ce que le ministère de l'Environnement va dire à ce qu'on résout le problème de la fonderie à Georgina? Merci. Je comprends qu'en fait, c'est une réponse qui est en retard et je demande au ministre de l'Environnement de s'expliquer. À la demande d'une députée préférée, je serai prêt à répondre aussitôt que possible et être en conformité. Pendant que ce processus se passe, j'aimerais que les députés arrêtent de chahuter, s'il vous plaît. Y inclut ceux qui veulent faire mon travail. La députée d'Halliburton Court Lakesbrook. Un rappel au règlement. J'ai un rappel au règlement à la Première ministre. Est-ce que vous approuvez qu'un des ministres appelle un député un sac de vin chaud? C'est pas un rappel au règlement. Il n'y a pas de vote différé. La séance est en pause jusqu'à 15 heures.